Bonsoir tout le monde, son plaisir pour que je m'avec aujourd'hui à la cadre émission éducation économique. Non pas, c'est Jérémy. Vous pouvez suivre Télévision Caraïbe et aussi ou sur Facebook ou sur YouTube, différentes plateformes avec émission ça que Télé Caraïbe avec Haïti efficace pour pour vous. Chaque semaine, nous venons avec des sujets qui ont rapport avec économie, avec finance. Émission ça a un objectif pour capable éduquer ou pour suivre sous question qui a rapport avec le domaine ça pour prendre une bonne décision dans la vie. Que ce soit ou c'est un monde qui travaille, ou son monde qui pas travaille, ou son jeune, ou son adulte, ou son entrepreneur, n'importe phase où il y a ou besoin de connaissances sur l'économie et la finance pour prendre une bonne décision dans la vie. Et c'est pour ça l'émission ça là, et je connais, nous tous aimons l'émission et je salue les sponsors, particulièrement Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens qui a produit médicaments dans le pays, qui est le sponsor principal émission ça. Également, nous avons les produits d'Élise, qui lui-même produit des produits locaux pour consommation, particulièrement café. Nous avons également la Fondation Chiradza Roselin, qui est dans l'éducation dans le département Nord-Est. Et nous avons Roulib, qui est une application qui fait transport, particulièrement Montréal, Canada. Également, nous avons Enseigner pour Haïti, qui est une organisation qui a aidé dans la question éducation pour qu'on l'autre système l'école dans le pays d'Haïti. L'émission Jodia, c'est une émission qui est particulièrement intéressante parce que nous avons essayé de regarder pendant 10 dernières années par rapport à l'agent économique, quelle décision économique qui te prend, particulièrement au niveau de l'autorité, BRH comme exemple, et qui sa résultat. Nous allons faire un petit recap pour nous garder le tremblement de terre là, Jodia là, qui s'est passé et qui j'en a évalué dans 10 périodes, dizaines d'années qui sont passées. Et qui décision qui te prend, n'a pas songé et qui impact que gagne sur l'économie. Nous prenons éléments ça dans un document qui sont cahiers de recherche que BRH publié récemment et que il y a des monde qui travaillent sur lui tant que Ludmilla Alien Muto, Jean-Marie Kaimit, Yves Naider Pierre, Jemley Marc Jean-Baptiste, Jean Amboise, Claude Jacques Diver, Calandre Prophète, Jude Beauplan et également Victoria Salvan, et avec sous, bien évidemment, sous direction gouverneur là, qui s'y est, et Gabriel, Ouna Gabriel. Donc, nous allons regarder les mensages. Et à partir de ça, nous avons fait conclusion pour nous dire, décision qui te prend, est-ce que tu es vraiment aidé, est-ce que tu n'as pas aidé, ou encore est-ce que le résultat est mitigé. Nous avons tourné tout à l'heure pour développer la question. Nous tournons à l'émission, nous avons regardé trois choses. Nous avons regardé le cadre macroéconomique qui a développé, j'en ai présenté pendant une dizaine d'années qui sont passées là. Deuxièmement, quelle décision l'autorité a été prise. Et troisièmement, quel résultat que décision a été prise. Une chose qui marque le cadre macroéconomique Haïti, c'est le déséquilibre. C'est pour ça que le déséquilibre macroéconomique. Et déséquilibre, là, veut dire que d'un côté, pas de production nationale qui est suffisante, une faible production nationale. De l'autre côté, prix toujours à monter. De l'autre côté, question d'eau, la goutte toujours à bas problème. Et au final, condition la vie monde, c'est une carrière entrée dans la question sociale, pas améliorée pendant la période ça. Maintenant, les noms sortis en 2009 dans le pays, te gon croissance économique intéressant 6% et depuis tellement de temps la vie rivé ba la déraillé malgré te gagné yon d'arabab di croissance le en pile aide de commencer pomper dans pays ya mais 2010 là c'est une année difficile côté une gon croissance négatif moins 5.6% pour nous comprendre maintenant songe me dit que bon ben aide qui était bay nan pays a après 2010 pile ONG pile organisation internationale etc etc pour être capable soutenir reconstruction pays a cependant chiffre yo prouve que malgré te gen tout aide ça après goudou goudou croissance économique pas de jambe soutenu li pas de jambe gen un niveau n'ta capable di qui suffisamment élevé et parallèlement
croissance démographique, ça veut dire quantité de monde qui t'a fait dans le pays, a augmenté beaucoup plus que j'en richesse augmenté, et ça vient accentuer, ça nous dit en français, paupérisation, ça veut dire que mon yo vient pi mal. Maintenant, trois dernières années, on a dit quatre dernières années, vient pi mal toujours en termes de situation, de dégradation des conditions socio-économiques, politiques, sécuritaires, avec toute paralysie activité, la question de sécurité, kidnapping, activité gang. Donc, qui vient faire que 2024, tenez bien ça me le dire, vient sixième année consécutive que l'économie Haïti gon croissance négative. Depuis 2019, passé dans 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Et m pa gen aucun côté le m'ap gade économie là dans période contemporaine kote ou gen 6 ans ou pa jamais capable relever de problèmes économiques ça que n'a fait face. Et ça son situation qui particulièrement difficile. On gade graphe ça avec moi, n'a comprendre. Graphe ça son graphe qui présentait croissance économique Haïti. Qui sa croissance économique, li vle di c'est niveau variation production richesse de yon période à yon l'autre période. Nan ka pa nou, c'est yon année à yon année. Donc, si nous gade graf la bien, mais yon bagay n'ap comprenn. Nou est zéro, c'est li nan mitan. Ça veut dire qu'on gen impression, tout ligne là, nous pa jam trop loin zéro en réalité. Mais deuxième remarque que nous avons fait, c'est que nous avons croissance en dents de scie. Ça veut dire, depuis nous fonti monte, après une descente. Depuis une fois qu'il monte, après une descente. Donc, nous avons une croissance qui soutenue. Nous avons une croissance qui constante. Nous avons une croissance qui pérenne. Vous bien? Parce que, en pays normal, croissance n'est pas toujours très, très, très haut, mais il est toujours à monter. Et c'est monter qui crée richesse. C'est monter qui change la vie monde. C'est monter qui veut dire gagner job qui crée. C'est monter qui veut dire gagner entreprise qui développer. Donc, pas nous, mes alliés. Ça veut dire que 2009, il était haut, 6%. Bah, il a marché. Tremblement de terre l'a passé. Plop, il descend en bas encore. Après tremblement, gon poussé, poté bourré qui fait, et puis ils font remonter encore. 2012, il descend encore. 2013, il monte. 2014, il descend. 2015, 2016. Et puis, le niveau de 2018, bah, la compliqué net. C'est descendre seulement. 2017, descend, 2018, descend, 2019, ça c'est à partir du Jovenel, et tout mouvement politique, pays, loc, etc., 2020, 2021, il continue à descendre encore, croissance là, pas arrivé, qu'aimé, alors que, population, a augmenté. Maintenant, au niveau de finances publiques, là, on va parler de secteur réel, question production, richesse, croissance économique. Au niveau de finances publiques, l'aide des finances publiques n'a gardé deux éléments particulièrement. C'est dépenses l'État avec rentrée l'État. OK? Recettes et puis dépenses. Donc l'aide des finances publiques n'a pas chiffré deux éléments qui sont importants, c'est ça. Recettes l'État, dépenses l'État. Maintenant, là nous garder on a dit 10 ans sous le passé. Hein? Là nous prend 2013 par exemple. Gagner une quantité de dépenses qui t'a fait dans le pays. Pour le programme social, etc. Et le bon toll rouge, puis le bagage qui a construit. Donc, tout le bagage, tu mets ton pression sous l'argent de l'État. Donc, dépenses l'État dans le moment, tu es augmenté en pile par rapport à revenu l'État. Recette l'État. Donc, gain ça nous relie un gap. On gap, ça veut dire que son écart entre dépenses et recettes. Donc, nous songeons très bien pour ça. Tu m'as chéri, qui ça, et gon quantité de construction, toll rouge, et tout côté dans le pays, marché poisson, stade, entre guillemets, l'aime dit stade là. Bon, nous connaissons, c'est pas stade vrai. Son bonne équipe terrain football, qui pas même bien faite. Donc, tout bagage ça, nous, mais, les vins créer yon écart, il vient créer un creux, il vient créer un trou dans le budget de l'État parce que pas de gain assez recettes pour être capable de correspondre avec ça. Donc maintenant, rater ressources dans le niveau de l'État, il vient faire que
yo vin met pression sou BRH en 2013, 2014, 2015 pou vin fè sa nou rele financement monétaire. Son émission son coût rele, son coût économique rele. Ki sa ki financement monétaire? Financement monétaire c'est là que l'État haïtien pas gen assez l'argent par rapport à obligation. Le gade revenu que le gen nan men, c'est comme si m'dadou, l'État haïtien rive collecter 100 goud. Mais tout ça le gen pour le régler, c'est 120 goud. Mais 20 goud ça, kote la bjouen ni. Il faut que li contacte BRH. Et BRH li même, comme c'est banque l'État lié, c'est lui même qui gen obligation pour que li répond à ça. Donc, li fait création monétaire pour capable répondre à besoin ça que ministère des Finances gagne. Et c'est ainsi, en 2013, BRH en avance par 2,2 milliards de gouttes, c'est-à-dire que l'État n'est pas capable encore, l'État BRH a poté. En 2014, BRH 5,3 milliards de gouttes, il vient avec l'argent pour compléter le déficit de l'État. Et en 2015, 9,9, presque 10 milliards de gouttes en termes de financement monétaire. Mais nous regardons ça, Pita. Chaque fois que BRH fait ça, parce que l'État haïtien rage, il pas qu'à payer mon yo, il y a un bagage à régler, il y a pile bagage à régler. Nous sommes chez BRH sous matériel, on a dépensé l'argent. J'ai fait, mais j'ai regardé comme si je me disais tout bagage, même ça qui pas important, qu'on va dépenser. Mais les conséquences qu'on va dépenser, il y a une conséquence après. Parce que chaque fois BRH obligé, parce que BRH pas de choix, on dit ou bay chèque pour professeur à policier touché. Est-ce que BRH comme banque l'État a dit que ou pas gen kob chèque pas touché? Il faut que lui-même à chaque fois l'obligé mette pour ou, mais en banque commerciale. On dit qu'on ou compte dans banque commerciale. Et vous économiste, met un chèque 10 000 goud. Mais si moun nan ki dit un chèque 10 000 goud là, pas gen 10 000 goud sous compte li, banque la pas payé. Banque la dit, mon chou pas gen 10 000 goud, m'pap ka paye. Mais laissez l'État, BRH, obligé lui-même à chaque fois compléter. Et ça, le financement monétaire là. Il y a des conséquences terribles sous inflation avec dollar qui a monté. Nous allons regarder ça plus tard. Maintenant, vers 2016-2017, il y a une amélioration, particulièrement avec le programme Cash Management, que BRH avec le ministre des Finances a signé un bagage, puis on entend, puis on dit, bon, désormais, et l'État n'a pas dépassé telle limite. Bon, quoique, nous devons par la suite, cash management n'a pas de respect dépassé ça parce que l'État a toujours fait des ordres jusqu'à ce que vin gagne. Bon, tu toujours gagné financement monétaire, mais elle était quand même baissé. Et au fur et à mesure, 2018, déséquilibre budgétaire a vint plus mal toujours, particulièrement avec dépenses qu'a fait, mais aussi difficulté l'État a gagné pour le rentrer tout. Parce que le pays a commencé dans la crise. Parmi les 6-7 juillet 2018, et puis tout mouvement ça a eu, fait que financement monétaire BRH arrivé à 24 milliards d'euros. Donc en 2018, l'État tellement fait déficit, donc BRH était obligé de supporter à 24 milliards de gouttes. Maintenant, en 2019, bagarre un petit genre grave, et puis c'est ainsi, BRH, le ministère des Finances, récien un pacte encore, pacte de gouvernance économique et financière. Et le ça, pour que yo capable réduire le déficit de l'État, pour dire l'État suspend faire des ordres, faut qu'on mette les bagages au propre, pour que nous pas bas économie plus problème. Donc, c'est ainsi, il était fait à cause ça. Alors que, on petit casse après, avec situation pays, 2020-2021, tout choc que nous gagnons, parce que nous allons faire émission la semaine prochaine sur question choc, l'Ivin fait que, l'État vient pas capable de mobiliser assez de ressources, il pas gagner assez de ressources justement pour qu'il fasse face à obligation avec engagement qui vient beaucoup plus dans le pays. Maintenant, financement BRH, comme tu as parlé de l'État, je vais expliquer nous, en 2013, 2 milliards, 2014, 5 milliards, 2015, 10 milliards, mais c'était blague par rapport avec 2020. Donc, en 2020, financement BRH à l'État haïtien, rivé 42,9 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'État n'a pas réglé rien encore. C'est BRH comme banque qui prend l'argent, parle, la créer l'argent pour capoter un l'État qui pas campé soin. Qui sous béqui, on l'État qui pratiquement en mode sérum. Comme son bail sérum, il a poté. C'est ça, l'été, en 2020.
Donc, pas quitter le monde dit l'autre bagaille, c'est que l'économie, c'est saleté. En 2021, ben, elle a gravé l'avantage. Donc, au 30 septembre 2021, BRH maintenant vient supporter à 49,3 milliards de gouttes. Donc, au final, vous avez l'impression que dette l'État ici envers BRH, son bagage qui vient extrêmement élevé, je veux dire. Parce que chaque année, vous avez une quantité 10, 20, 30 milliards. Parce que c'est prêté, oui, c'est pas l'argent qui fait cadeau. C'est-à-dire que, ou rageur, moi, prêteau comme là, pour remettre après. Bon, bien évidemment, ça arrive souvent, pas remettre, ou encore, pas qu'on est qui gens rituillés. Donc, c'est tout ça qui va être problème. Et tout déséquilibre, ça, yo, au final, il vient fait que l'État pas capable de faire face à l'obligation, je m'en dis. Donc, en d'autres termes, on garde là, on garde avec moi, Graf ça a présenté nous déficit budgétaire l'État de 2009 à 2021. Donc, bâtonnet bleu, c'est niveau déficit. Donc, en 2009, déficit a été très faible. Son bagage qui est inférieur à 10 milliards de gouttes, nous, elle. Mais c'est mes montants, à gauche. Nous, elle, à gauche. C'est montant. 2010, bon, pas si mal que ça. 2011, il est vraiment descendu. 2012, il commence à monter. 2013, il monte. Donc, l'ordre des, etc. Haïti Open for Business, Matéli, la mort, pile bagage dépensé. C'est difficile, l'État. Cap augmenté. 2014, l'augmenté. 2015, les fonds descendent. 2016, ils ont commencé. 2017, sous Jovenel, en fait, ils viennent joindre Niba. 2018, ils montent. 2019, les fonds descendent. En 2020, bah, elle a éclaté. Nous, elle est pratiquement plus que 100 milliards de gouttes de déficit budgétaire en 2020. C'est une catastrophe. Et puis en 2021, malgré le fonds descendre, mais elle a toujours été importante. Supérieur à 60 milliards d'euros. Maintenant, bon, fond de parenthèse. En économie, nous apprenons, pas parce qu'un pays fait déficit budgétaire, veut dire que c'est un problème. Non, majorité pays fait déficit budgétaire. Majorité. Ça veut dire que déficit budgétaire veut dire que ça, veut dire que recette moins, pipiti, que dépense moins. OK. Mais ça va dépendre de ça, on va régler la dépense. C'est ça la question. Donc, déficit, OK. Mais déficit sous base, qui ça? Qui ça me tape dépenser qui fait me faire déficit? Donc, si m'a fait bon dépense, dépense productive, si m'a fait bon dépense d'investissement pour remembrer le pays, pour construire l'hôpital dans le pays, pour construire l'infrastructure dans le pays, pas un problème. Mais lors de dépenses, tu vas monter comme ça. Ce bagage a fait pas un réglé. C'est assainissement. Si m'a eu la jeune dans la rue, n'est-ce pas fait comme qui ça, ça, et c'est de ça qu'on a parlé. Et c'est ça qui fait que l'impact qu'on a supposé gagner, hein, ou à gagner. Dans le fond, on a tourné tout à l'heure pour regarder l'aspect déficit commercial et également différentes mesures qui te prennent au niveau autorité yo, par rapport à tout drame qu'on a parlé là. On a tourné. Je vous rappelle que vous suivez l'émission d'éducation économique, non pas M. Jeremil, et c'est Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui propose l'émission ça et qui est supportée par Laboratoire Pharmatrix, Fondation Sheraza Roselin, les produits d'Elise, et Oulib Rideshare, et également Enseigner pour Haïti. Nous avons parlé tout à l'heure de tout déséquilibre pendant l'élection passée. Maintenant, au niveau commercial, tu as un déficit. Elle vient plus grave parce que la production locale là vient effondrer davantage. Qui vient faire que Haïti vient dépendre de plus en plus d'importations par rapport à l'exportation nous-mêmes qui n'est pas suffisamment élevée. Et c'est ainsi que l'importation Haïti, époque avant 2010, c'est un bagage à peu près 2,8 milliards de dollars. Avant 2010. Okay? Avant 2010, 2009. 2,8 milliards de dollars. Moi, je dis, les 5 milliards de dollars. Okay? Ça veut dire que de 2009 à aujourd'hui, nous doublons la quantité d'importation que nous avons acheté à l'étranger. Okay? Donc, l'économie hein, vient de plus en plus dépendante de l'importation, pendant que l'exportation représente autour de 7% PIB et
particulièrement qui ça nous exporter 80% là-dedans c'est textile bagay nous a fait dans parc industriel yo slip maillot chaussettes et qui a fait dans parc industriel yo que ce soit Sonapi Codevi ou bien Caracol ou bien parc industriel de l'aéroport dans Fleurio. Donc en gros c'est ça. Maintenant qui vient faire que vinn gon déficit chronique et gon déficit non seulement chronique mais qui chaque jour plus grand entre import et export. Jodi a schéma c'est 5-1. Ça veut dire que nous exporter pour 1 milliard de dollars, nous importer pour 5 milliards de dollars. Donc déficit a c'est 4 milliards de dollars. Donc en réalité l'inverse tapis d'économie hein, si nous était capable gagner excédent dans niveau commercial, mais nous pas la bouger gagner excédent mais nous ca toujours gagner importation qui est important, mais c'est qui ça n'a pas importé. En général, gagner deux bagages qu'on ca importer beaucoup plus et qui pas dérange. Un, c'est bien qu'on pas produit la caillou et ou pas ca produit parce que gagner des biens qui mandent en pile technologie, gon histoire pour gagner avec bagayo, on croit que des bagages qu'on pas gagner la caillou que c'est l'autre bord pour sortir. Fine. Mais dans cas pas nous importer des produits finis que nous ca produit. On pas ca comprendre pour qui ça Haïti cap a importé 1.5 milliard de dollars américains de produits agroalimentaires et agricoles pendant que nous ca produit. OK. Nous ca produit. Donc bon bonne bagaille n'a pas acheté l'autre bord, qui pas obligé là. Le Petrocaribe était là au lieu que nous prenons comme ça pour nous construire des centrales qui capable et capable dit et fait bagaille pétrole là. Transformer pétrole là et puis nous même n'a pas acheté pétrole là fini donc nous pas fait rien justement comme raffinerie c'est moi raffinerie pétrole maintenant qui mesure qui te prend par rapport à tout déséquilibre ça yo d'un côté BRH lui même il gagne trois focus croissance focus inflation. En fait, deux focus. Maintenant, inflation, on a une parenthèse là-dedans qui c'est pour change. Ça veut dire dollar good. Ils ont ensemble, c'est prix. Okay? Parce que dollars sont prix et tout. C'est-à-dire que prix dollar monté, dollar descend. Même genre que du riz, pois, l'huile, spaghetti. Donc, BRH a deux focus. Bon, mis à part de questions de supervision bancaire, mais focus croissance, c'est-à-dire que l'IBA a assuré que gain économie en quatre et augmenté. Deuxièmement, gain stabilité dans prix avec un change avec dollar good là. Maintenant, par rapport à ça, ou équipe de mesure qui te prend au niveau BRH, et nous va regarder parce que BRH c'est pratiquement avec ministère finance, économie des finances, c'est deux autorités économie. Okay? Donc secteur économique, secteur financier, il y a deux autorités, BRH qui plus dans finance et monétaire. Et puis, ministère économique des finances qui plus dans l'économie. Bon, nous connaissons très bien. Il y a rarement fait économie, il plus à faire finance. C'est un bagage que nous toujours avons dit tout le temps. Maintenant, BRH a des outils dans le main, par exemple, les bons BRH, que les utiliser pour être capable d'influencer le marché prêt, c'est-à-dire pour prêter mon argent. Okay? De même que les taux d'intérêt aussi, c'est un instrument que l'utiliser. Et qui ça a bon BRH? Bon BRH sont produits financiers que les institutions financières ont accès avec eux. Et vous voulez dire qui ça? Il veut dire que BRH besoin en quantité comme. OK? Li ba yon titre. OK? Li prête comme là. Nan mon, li bon titre en bagou tout en papier. Et là, pour remettre au cobla après un temps que nous entendons nous souli, 7 jours, 28 jours, 91 jours, c'est 3 maturités que bon vous gagnez. Et là, bas, avec un intérêt. Je vais suivre bien, ça m'a expliqué. Tant intérêt à bas, c'est tant que banque a moins s'intéressé avec ça, pour plus s'intéressé avec prêter moun l'argent plutôt. Suivez-moi bien. Parce que, bon, malgré l'opé là. L'on prête BRH l'argent ou gen garantie à 100% que la promette. Mais s'il mette intérêt à bas, regardez, si ma prête ou à ban 1% seulement, après 7 jours, mais pour qui ça? Pour qui ça m'a prête marchand plutôt? Kap ban plus quoi? Donc, banque là, gagne le choix entre bon BRH
qui est capable moins attractif ou plus attractif comparé avec prêter moun l'argent. Maintenant prêter BRH l'argent est garanti que l'argent pas perdu. Prêter moun l'argent ou un garanti. Ce business qui va marcher, ça moun pas remettre. Bon, on doit mettre moun en prison, c'est le pas remettre mais même le moun en prison, ça va veut dire même le saisir caill là, qui pas veut dire l'argent côté besoin. Parce que banque là toujours préféré justement qu'on paye au lieu que son l'autre bagage qui arrive. Maintenant en 2014 Bonyo, 7 jours, 28 jours, 91 jours, tu as gagné intérêt 1%, 2%, 3% et qui devine passer à 3, 4, 5% pour la première fois après 4 ans. Bon. On verra mon petit augmentation. Et puis, en 2015, tu viens passer à 10%, 12%, 16%. Et puis, vers 2016, en réalité, ils viennent ramener à 6%, 8%, 12%. Maintenant, il y a une raison pour faire BH utiliser ça. C'est pour être capable de jouer sous question marché dollar. Parce que chaque fois que les banques ont un avantage comme ça, les banques ont pris le goût qui n'ont pas, ils ont un BH. Donc, ils retirent une quantité de goût de circulation. Et c'est ça l'idée. Donc, BH utilise moins ça, les bons BH, non seulement avec taux d'intérêt tout, il a influencé le marché prêt, mais surtout, dans le contexte, ça, c'est pour influencer le marché change. Maintenant, le deuxième élément que BRH Ganamel, qui est le coefficient de réserve obligatoire, TRO, taux de réserve obligatoire. De 2009 à 2012, taux de réserve obligatoire sous passif en goudes, il était 29%. Il était inchangé pendant toute période de 4 ans. Et passé sous dollar, 34%. Ça a tout gagné impact sous change. Parce que qui ça l'a dit? Qui ça réserve obligatoire l'a dit? Il dit que qui pourcentage dans le dépôt que le client a gagné dans la banque, là, que la banque a obligé de faire BRH Kimbe. Il y a ça. Taux de réserve obligatoire. TRO. C'est pourcentage dans le dépôt que nous avons que BRH exige que la banque bali. Donc, l'on fait ça, il y a deux bagailles. On dit pour Goudla. Si l'on estime que Goudla perd du valeur, il a utilisé ça comme technique. Parce que l'on bail banque là, yon Tokyo. Donc, il y a moins Goud dans le marché, dans le système, qui fait que Goudla est pire. Ça a augmenté tout le réserve là. Mais vous n'avez pas. Tant que taux de réserve ou autour, banque là qui prend ça comme prétexte pour ne pas faire crédit. Parce qu'elle dit que tout est pas comme gagnant même là, mais BRH m'a dit pour le prendre. Parce que à qui ça banque là va crédit? C'est avec dépôt. Yo. C'est bon l'autre l'argent. Donc tant que BRH gon taux de réserve qui pi haut, c'est tant que banque yo a gain moins disponibilité pour y prêter. Quoique, en réalité, y a qu'on gagne mais y va prêter. Parce que, pour différentes raisons. Pas parce que y a pas voulu seulement, gain ça à tout. Parce que, bon, y a qu'on va même prendre trop de risques. En même temps, tout, contexte là, fait que moun pas mandé assez tout. Parce que, nous allons ça dans une vidéo, on a préparé prochainement, sur question crédit. C'est que, gain moins de demande pour prêt. Parce que, contexte là, moun yo peur parce que moun yo pa mande ton prêt sou tête li non contexte il pa konn sa demain a bail il pa konn si zone ni bandi pa prendre donc non seulement pas bail assez mais pas grâce demande tout et moi ouais nan ti crash tank sou passé là pratiquement 2 ans entre 2021 et 2023 compte en banque qui gen prêt sou yo passé de presque 90 000 à 60 combien mille presque 30 000 compte en moins qu'on y a gain prêt sur. N'a pas tourné sur ça dans une vidéo que Artifica a préparé avec support BRH sous question et crédit. Maintenant, on regarde de l'autre élément, c'est ça les interventions sur le marché des charges. Ça en habitué avec lui, c'est que BRH a fait injection. Donc, et matin midi soir,
BRH injecté 50 millions de dollars, BRH injecté 20 millions de dollars. Bon, m'expliquer injection plusieurs fois, on va expliquer encore. Injection, c'est pour l'argent que BRH l'a gagné dans la poubelle. Son l'argent que BRH changé. Ça veut dire, l'aile dit injecté 20 millions de dollars dans le marché, c'est 20 millions de dollars américains que l'a changé dans la banque et la banque bal good dans la place. Ta. Et là, ça fait, il y a deux choses qui arrivent. Il augmente la disponibilité de dollars dans le marché parce que vous ratez. En même temps, il a asséché good là que l'estime qui trop dans le marché. Donc, on grain opération, il y a deux impacts directs. Et tous les deux visés à stabiliser le marché d'échange. Et chiffre, sorti 2017 pour arriver 2021, BRH te vend 613 millions de dollars américains dans le marché. 2017 à 2021. Et montant ça, il était presque deux fois plus que BRH te vend 5 années avant. Okay. 5 années avant. Ça veut dire 2012 à 2017. Ok, 5 années. Ou pas, 2013, pardon. 2013-2017. 2013-14-15-16-17, ok. 2013-2017. 2017-2021. Il y a deux périodes, ça, 5 ans. Ok. Et ça, 2013-13-14-15-16-17. Voilà. 2013 jusqu'à 2017, 5 ans. 2017-2021, 5 ans. 17-18-19-20-21, ok. 5 ans. 5 ans 2017-2021, BRH vend 613 millions de dollars américains sous marché. Alors que 5 ans avant 2013-2017, BRH te vend seulement 355 millions. Donc presque deux fois plus. Et moi, dis injection, yo te gagne objectif pour ça. Et mesure qui prend dernièrement, en octobre 2020, nous sommes dit, ça, circulaire 114-2, qui crée un pile problème, un pile plein. Côté que BRH décide pour que les pas bas monde doula encore dans mes autres sphères. Bon, ça, pile monde joué, un pile monde pété, et fâché, et pété contre, d'avoir dit. Et nous allons regarder tout à l'heure, qui ça résultat. Est-ce que l'objectif BRH te gagne par rapport à ça, est-ce que l'atteint? Parce que lui dit que pas gagner assez doula, l'elle fait ça, c'est pression la mettre sous tête li. L'elle fait ça, c'est machin formel la cap augmenter. S'il pas te fait ça, nous allons regarder est-ce que réellement résultat yo au rendez-vous. Maintenant, bon l'autre élément, c'est obligation BRH. Obligation BRH, c'est un produit que BRH lancé en juillet 2015 qui dit qui ça? C'est que au cas acheter obligation BRH dans l'équipe de banque, tout, pas toute banque, là-dedans. En façon pour l'empêcher, pour le décourager les gens à l'acheter de là avec l'argent qu'ils ont gagné en gouttes. C'est comme si je moi j'ai gagné 100 000 gouttes sur mon compte en banque, et comme ils ont gagné obligation BRH, je n'ai pas besoin d'acheter de là avec encore. BRH a bon moins 7% sous une année en termes d'intérêt, et si l'argent perd du valeur, il n'a pas juste. Ça veut dire que son façon pour être capable d'encourager les gens pour capable pas changer goudio parce que il y a bon bénéfice sous l'argent en goud qu'on gagne la banque. Bon, il y a des gens qui achètent et il y a des banques qui pas accepté faire parce que les banques estiment que il a fait concurrence avec activité par eux. Donc encore une fois, nous allons regarder qui ça résultat ça et qui ont équipe de mesures réglementaires qui prend. En juillet 2015, par exemple, BRH interdit que banque bail pré-consommation en dollars. Ça veut dire prêt et pour acheter une machine, etc. Donc, décidément, c'est un goût de bouillouillé. Livin avec mesure en avril 2017 sur question la position cambis des banques commerciales, faut qu'il nul, mais ça veut dire. Ça veut dire que tout l'argent que banque acheté en termes de dollars, faut que banque l'en vend ni dans 24 heures de temps. Donc, banque l'en pas qu'à quimber. Banque l'en pas qu'à abserrer d'où là pour pas vendre ça l'acheter. Donc,
BRH exige que banque depuis au gondou là que acheter dans mon monde l'argent dans main pas qu'à serrer pour autant de 6 mois pour autant d'une semaine faut que revende immédiatement donc ça c'est et là ça pas fait nous on j'ai peut-être 3 4 ans plusieurs dans banque des sanctions plusieurs centaines de millions de gouttes par rapport avec il pas respecté une équipe de bagarre bon gagne des décisions qui prend tout sous question carte de crédit qui suppose facturer en goud, même si mon acheté l'autre bord. Question cash management mal de l'État, le ministère des Finances avec BRH pour capable entendre pour ne pas dépenser trop l'argent dans le niveau de l'État. Et nous parlons de circulaire 114-2 sous question pour bail mon goud dans maison transfert. Et également, gagner, et en gros, ces différentes mesures qui te prend dans question réponse par rapport à problème ça. Maintenant, nous allons finir tout à l'heure, nous allons poser, nous allons regarder qui résultat que ça va. Et qui gens nous pas capable qui gens capable faire mieux par rapport à défi économique que nous fait face. Merci. Nous allons finir l'émission, hein? Nous allons regarder résultat différentes mesures qui te prennent. On ne peut pas une baronne. On ne peut question de la goutte. Bon, ces jours, si nous avons quelques temps là, nous avons regardé que nous avons les stables. Pendant ce stable-là, nous avons toujours cherché de là que nous avons joint. Bon. Nous avons fait notre émission sur ça. Et nous pensons que faut que nous assurions que nous créions plus de moyens pour que nous utilisions moins de cash. Parce que nous ne pouvons jamais résoudre le problème. Ça. Parce que nous avons toujours un problème. Cash, cash, cash. Cash de là. Et des fois, c'est parce que mon n'a pas gain choix, parce que mon n'a pas gain compte, parce que mon n'a pas gain banque en ligne, parce que mon si la vous on transfère l'autre bord, il pas gain on compte pour ta faire, donc il vous obligé gain cash là, des fois son loyer pour ta payer, il pas gain compte pour ta virer pour mon dans sur téléphone ni comme si modernisation ça que nous pouvons faire a fait que nous toujours gain difficulté pour gérer question ça et toujours gain bataille entre clients yo banque yo BRH etc. par rapport à question de là il faut que nous résoudre et ou encore de manière ultime toujours dit ça solution finale là c'est pour un grain de monnaie qui en circulation qui est le good pour finir la question ça parce que tout autant mon a vendre dollars a demander dollars a payer dollars a acheter dollars a acheter un dollar l'a toujours créé problème dans l'économie avec double circulation ça. Donc maintenant changement on petit cas stabilisé depuis quelque temps avec différentes mesures qui prend. Cependant soit regarde période là, son bagaille mi figue mi raisin. Des fois elle monte, des fois elle descend, des fois elle monte, des fois elle descend. On regarde graphe ça avec moi de 2016 à 2021 qui j'en question et goutte dollar t'a augmenté qui j'en de varier. Nous voyons que 2016-17 les anti j'en stabilisé en bas 70 goud entre 60 et 70 goud jusqu'à juillet 2018, songez 6-7 juillet. À partir du moment ça, li monté 90 goud dans zone mai 2019 et li fonti campé là, li remonté en pile encore pratiquement 120 goud dans zone juillet 2020, nous voyons ça et encore li font descendre en pile zone septembre octobre 2020 sans qu'il pas printemps encore de remonter encore jusqu'à septembre 2021 dans zone 100 goud pour dollar. Et nous baguons l'autre partie dans le graphe là, nous comptons ça les jours d'hier autour de 132-133 à peu près, taux officiel. Yo. Et selon Jean Mounio Vend, nous vendons 138, nous vendons toute qualité prix. Par exemple, nous avons même 240 même, mais officiellement, on est autour de 130-131-132 gouttes, plus ou moins depuis plusieurs mois pratiquement. Bon, ça c'est ça. Maintenant, pour prix produit, on garde le graphe ça, on l'autre graphe, gagne quand même un mouvement qui est extrêmement grave. Récemment là, qui pas même dans le graphe là, on a dit un an et demi de cela, il est arrivé presque 50%. Hein. Là, on a regardé que zone 2016, il était très bas, autour de 10,67%. 2017, il était stable. 2018, donc à partir de mai, à partir de juillet 2018, ça c'est un moment important. Hein. 6-7 juillet 2018, c'est un moment qui dérangeait en pile bagaille, comme si crise politique, bloqué pays, etc. Yo grand pile impact négatif sur l'économie, sur stabilité, hein. Stabilité good, la stabilité prix, yo, stabilité économie, hein, de manière générale. À partir du moment ça, prix augmenté, 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 augmenté. Il y a jusqu'à 27% de inflation,
à peu près à juillet 2020, il descend en pile dans la zone 2021, et puis par la suite, il vient remonter, j'aime dire là, l'année dernière, il est pratiquement presque arrivé à 40%, 45%. Jodia, nous quand même autour de 23% à peu près, ma fin de songe exactement. On est autour de 23, 24%, 25% et inflation annuelle qu'il a. Mais quand même, l'important, hein, pas oublier de ce d'ailleurs, depuis 2015, inflation en Bajan, plus bas que 10%, ce qui est une très mauvaise note. Parce que pour l'économie normale, une inflation peut être supposée plus que 4% son année. Et qui ça 4% veut dire que le bagage qui a 25 gouttes, pas être supposé vendre plus que 104 gouttes. Alors que dans le cas par nous, nous avons une inflation qui est excessive, 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Et certains produits même, sont beaucoup plus que l'inflation normale. Là. Maintenant, au niveau de la croissance n'est pas au rendez-vous. Voilà. Ça va faire 6 ans, j'aime te dire là, l'économie n'a pas croître, malheureusement. Et le pas de croissance, ça veut dire plus pauvreté. Ça veut dire qu'au final, pas de richesse qui a créé. Ça veut dire moins d'entreprises. Ça veut dire plus chômage. Ça veut dire paupérisation, détérioration de la vie citoyenne. Parce qu'on économie, objectif, c'est pour créer du travail, pour avoir des revenus, c'est pour créer des conditions pour faire business, c'est pour améliorer les conditions de la vie. Depuis ça va fait, pour moi, c'est un échec. Donc en fait, c'est un échec. Parce que malgré des mesures qui prennent, qui évitent le pire, mais au final, par rapport à tout défi politique et sécurité que nous gagnons, il fait que l'économie va jamais prendre niveau croissance, il suppose pas. Il va jamais stable, il suppose stable. Et tout ça dérange les conditions de la vie. Non. Merci un peu. Parce que tu as suivi l'émission, ça. Que je pense que tu es très pédagogique, très éducatif dans la quantité de bagages que tu as essayé de développer. Il faut comprendre. Haïti efficace et également. Tu les Caraïbes, c'est le monde qui porte l'émission, qui réalise, qui produit. Mais il fait avec support Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens. Fondation Sheradza Roselin, les produits Nélise, Roulib, Rideshare, et également enseigné pour Haïti. Mais l'émission, ça a tout. Il y a un pile support dans l'équipe de page Facebook qui a baillé. Nous ne pouvons jamais suspendre, dire que j'aime reconnaissant envers nous. Et il y a des radios tout, dans pile ville province et dans la diaspora qui passe l'émission, ça a tout. Mais le plus gros supporter, c'est vous-même, qui toujours aimé, qui like, qui commente, qui bon feedback, qui dit m'sou aimé, qui dit m'sou pas aimé. Pas oublier, toujours commenter, partager, faire l'autre monde découvrir, ça n'a pas lieu. Ou quand vous êtes connecté avec moi, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, mon YouTube channel, et vous avez ou quand vous êtes sur email, et vous avez la commerce à gmail.com. Également, site internet www.pizzeremil.com. Merci en pile, à très bientôt.